L'inflation frappe partout, y compris au chantier de la future usine de billettes de la luminerie d'Alma. Le projet de 240 millions de dollars avait été annoncé en grande pompe en 2022 après une attente de quelques années. 18 mois plus tard, les dépassements de coûts s'annonce significatif. Principalement relié à la conception ou l'ingénierie du projet dans sa version actuelle. Rio Tinto cherche donc des moyens de limiter les imprévus. Le bétonnage pour permettre la suite des travaux durant l'hiver est abandonné, jugé trop dispendieux. À cause des méthodes qui sont utilisées pour le gel, c'est plus dispendieux. Donc ça, c'était une façon simple, si on veut, de pouvoir diminuer les coûts. Le chantier de 60 travailleurs sera progressivement réduit au cours des prochaines semaines. La reprise complète est prévue au printemps prochain. Pour les prochaines semaines, les équipes vont continuer de travailler avec les entrepreneurs, le syndicat et les employés pour identifier d'autres pistes pour pouvoir contrôler les coûts. Rio Tinto n'a pas voulu préciser le montant ou le pourcentage que représentait l'inflation sur ce projet initial de 240 millions de dollars. Elle assure toutefois qu'il n'est pas question de modifier le projet. Ça ne change pas l'envergure du projet. Ce qui va changer, ça va probablement être de quelques mois de décaler le calendrier de mise en service. On le savait depuis quelques semaines que la direction travaillait à diminuer les coûts parce que les coûts avaient explosé. La future usine produira 200 000 tonnes métriques de billettes, va créer une quarantaine de nouveaux emplois et est considérée comme un jalon important de l'expansion de la luminerie almatoise. Vous savez qu'en 2019, le projet a été mis sur la glace. Ça fait que là, c'est comme le jour de la marmotte, si on peut dire. Ça fait que la déception vient surtout de ça. On est confiant que le projet va avoir lieu. Puis on espère aussi que tout le gouvernement, les élus de la région mettent de la pression aussi pour que Rio Tinto respecte leurs engagements. Pour nous, bien, quand même une certaine surveillance qui va se mettre en place parce qu'on veut s'assurer que le chantier va reprendre ses activités au printemps. L'entrée en production est toujours prévue en 2025. Jean Houle, TVA Nouvelles, Alma.